Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va exécuter ensemble et comprendre les opérations des HQL sur Hive. Commençons tout d'abord par la création de deux terminaux, un terminal pour Hive et un terminal pour HDFS. Puis, on va exécuter cette commande pour la création d'étapes dans la base de données. La commande showTables nous permet d'afficher le contenu du table. Tout d'abord, il faut créer les fichiers par la commande vi les noms des fichiers dans le terminal HDFS. Et puis on va exécuter la commande HDFS DFS input pour télécharger les données vers notre dossier. Maintenant, on va exécuter cette commande pour changer à importer et importer les données. Maintenant, on va exécuter la commande SELECT pour vous montrer plusieurs conditions. Thank you.
appliquer la ceinture. Et merci de votre attention et à la prochaine.